chanteur, auteur voilà. aussi. Non mais je bosse avec Laurent en fait, le mec qui compose les chansons et après on se fait des gâteries et puis puis finalement ça peut être vendable, on propose ça au reste du groupe. Nous on n'a pas le droit de composer, là on compose partout ailleurs. Hein. Merci, c'est gentil. On compose beaucoup ailleurs aussi, chacun de nous. Mais en fait, dans Cognox, on n'a pas le droit. Mais c'est comme ça que ça fonctionne et moi je trouve ça très bien pour l'instant. Il n'y a pas ça de problème. Ça fonctionne bien comme ça. Ouais, très bien. D'accord, donc le reste du groupe a quand même un travail d'ici. Ah bah après on a ouais on fait tout la chanson en groupe donc on arrange ensemble après. Sortir, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? C'est encore confidentiel. Ah non, on peut pas en parler là. Et j'ai envie d'appeler ça The World Ends Today. Le monde finit aujourd'hui. C'est pas mal comme titre. Mais c'est une vision assez négative. Non, pas du tout. Non. Ouais, non, mais la musique va être plus soul par contre. Que exactement. Sur les plus soul. D'accord. On s'est mis un peu à la soul music quoi. Donc il n'y aura pas du tout de partie électronique sur cet album. Bah il y a toujours il y a deux instruments qui sont électroniques, il y a deux claviers. Il y a deux synthés. Non, il n'y a jamais de machine dans Bonnie aussi. En fait, tout est joué en fait. C'est vrai qu'on enregistre aussi nos albums au métronome, quoi, au clic. Donc c'est vrai que les batteries, elles ont un côté un peu batterie électronique. Il y a un synthé basse déjà qui fait les basses, c'est pas une basse électrique. D'accord. Et que moi ma batterie elle est réglée de façon très mat et ça évoque un peu les boîtes à rythme. C'est voulu ou pas? Ouais, c'est voulu. Bah de toute façon on est des musiciens de studio à côté de Pony Hawk, on fait énormément de studios. Bon. Et donc on a vraiment une conscience du son, on sait précisément ce qu'on veut faire quoi. Mais tu nous as déjà vu en concert ou pas? Moi j'ai. Parce qu'on est excellent hein. Lui il vous a vu en concert deux fois. Tu nous as vu où? À Nantes, Scupiton. Et Band Bretagne. Band Bretagne. Festival du Schmoul. Ah ouais. T'étais bénévole là-bas non? Non, moi je suis parti d'une asso à côté aussi. Ah, t'organises un festival? Ouais. Tu vois, hop, un groupe de plus. Festival Diversic. Ouais. À Derval. Merci beaucoup en tout cas. Bah merci les gars, merci donc. Bah écoute, c'était une expérience. Voilà, merci, suivant. C'est une expérience de parler avec vous. Étienne, il y a des filles qui font les interviews.